matin tout le monde, on est le 7 juin et il est... Non, il veut pas jouer. Elle veut pas jouer? Elle pleure. Marie-Victor, tu dis-tu bonne journée? Bonne journée. Tu dis-tu qu'est-ce que tu t'en vas faire toi? Tu t'en vas-tu jouer avec grand-maman? Ouais! Fait que tu dis-tu à bientôt? À bientôt! Avec un vidéo? Merci! Fait que nous, on se reparle tantôt. Bon matin, YouTube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 9 juin. C'est la fin de semaine. Bonne fin de semaine, tout le monde. Désolée pour mes cheveux. Ils sont dû être lavés. C'est ce que je vais faire. Là, je vais me faire la vaisselle. Puis après ça, on profite du soleil. Il fait super beau à l'extérieur. Aujourd'hui, dans notre région, c'est le concours du bûcheron. Je sais pas si mon papa puis ma famille du bord à mon papa va y aller parce qu'eux autres, c'est des gros... Ils adorent ces genres de festivals-là. Ben, moi aussi, j'aime ça. Le festival du bûcheron puis tout ça. Il y a des beaux prix à gagner. Fait que c'est facile dans la région. Ben, c'était aujourd'hui. Mais vous le verrez pas ce vlog-ci avant ce soir. Fait que ça ne donne pas grand-chose, ça. Fait que c'est ça. Je vous dirais depuis jeudi. Ben, en fait, on s'est pas parlé depuis. Ouais, jeudi un petit bout avec Marie. J'ai pas vlogué. Ces temps-ci, j'étais un peu stressée. Il se passe beaucoup de choses au magasin. Puis j'ai de plus en plus mal à la tête. Ça me stresse beaucoup, 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 beaucoup. Fait que, ouais. Fait que j'ai pas vlogué. Mais en fait, semaine, je vlog. Puis, c'est ça. Mercredi aussi. Mercredi, je vous emmène à Montréal. On sort à Montréal. C'est ça. Fait que je suis un petit peu fatiguée. Je vous dirais, ce temps-ci, je dors beaucoup, beaucoup après mon travail et tout. J'ai hâte de me laver les cheveux. C'est ça. Merci pour vos beaux commentaires sur ma nouvelle coupe de cheveux. Merci aussi pour Marfleur. Oui, c'est vrai qu'elle se développe vraiment bien. J'ai hâte à mercredi, son médecin va la voir. J'ai hâte d'avoir le feedback de ça parce qu'elle est encore considérée comme un enfant prématuré, Marfleur. Jusqu'à l'âge de 5 ans. Fait que j'ai hâte de voir. Je trouve qu'elle se développe bien. Elle dit c'est sûr qu'évidemment il y a des mots qu'on comprend comme pas tant là, mais je suis capable de la comprendre au téléphone quand elle me parle au téléphone, ou je sais ce qu'elle veut me dire quand elle me parle. Elle est vraiment elle a une intelligence, c'est fou comment elle est intelligente, cet enfant là. Tu lui donnes tu sais, comme, mettons, le matin, elle va écouter ses bonhommes, elle sait que, où peser ses manettes. Bon, des fois, elle se trompe, ça marche pas. Mais, par exemple, au niveau du cellulaire, elle sait comment aller voir ses photos, ses affaires. Puis, elle est meilleure que nous autres, tu sais. Ouais, vraiment, là, je la trouve vraiment bonne. Je l'aime vraiment beaucoup, ma petite pinotte. Je suis vraiment fière d'elle. Sauf que elle prend pas beaucoup de poids. Elle est encore à 24 livres. 25 livres, 24 livres. C'est vraiment pas beaucoup pour 2 ans et demi. Mais bon, elle a quand même des bonnes cuisses, là. Mais tu sais, elle est encore à 25 livres. Fait que 24, là, on l'a pesé l'autre jour, c'était 24,4. C'est pas beaucoup! Mais elle est très grande, Marie-Fleur. Tu sais, je vais vous avouer, de la taille, par exemple, c'est drôle, de la taille, elle peut habiller comme 9-12 mois. Mais de la longueur des pattes, c'est trop court. Mais de la taille, c'est parfait. Du 2 ans, c'est trop grand. Mais c'est correct des pattes. C'est difficile de l'habiller, Marie-Fleur. Puis des bas, ben là, c'est rendu qu'elle a tellement des grands pieds. Qui est rendue à des 2-4 ans. Puis ils feront pas tout l'été. Fait que là, elle est à veille de passer à la grandeur 7 de souliers. J'en viens pas la dépasser. Elle portait du 2.
Je sais pas ce qui s'est passé là, du à partir du 2, juste ce que je vous dirais en... jusqu'au mois de novembre, parce qu'en décembre moi, j'ai acheté des petits souliers de Noël, puis c'était des 3. Je sais pas ce qui s'est passé de Noël allé à maintenant. Je sais pas. Fait que c'est ça, elle va super bien. Moi, ben, comme je vous dis, à part avoir beaucoup de stress, puis d'être un peu plus fatiguée, puis là, ces temps-ci, depuis jeudi, j'ai très très mal à la tête. Ça va bien. Aujourd'hui, c'est samedi, évidemment. Qui dit samedi? Dit lavage. Vaisselle. Puis ça va être ça pour aujourd'hui. Je veux relaxer. Marc-Flore revient ce soir, je veux vraiment relaxer parce que j'en ai vraiment besoin. Puis ça, profiter du beau temps. Alors là, je m'en vais me changer, mettre mon maillot, puis faire la vaisselle, j'en ai pas beaucoup. Fait que c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer de l'extérieur. J'ai pris, comme vous pouvez voir, du soleil. Ça me fait du bien. Comme j'ai beaucoup mal à la tête, c'est la seule place où je peux dire que je me sens zen. Et là, désolée pour mes cheveux, il faut vraiment que je les lave. Où je me sens zen, où... où je relaxe vraiment beaucoup. Puis c'est drôle parce que j'ai pris une photo de moi en maillot de bain. Puis j'ai remarqué que j'ai vraiment perdu beaucoup de poids. Je la montrais pas. Parce que je sais que ça a choqué quelques personnes quand je me suis. Quand j'ai voulu montrer ma perte de poids. Mais je suis vraiment fière de moi. Puis j'ai hâte d'essayer bientôt. Je vais m'inscrire moi aussi au. Stéphanie à. Je pourrais être coach. T'es coach d'un programme. Je m'inscris bientôt, sûrement la semaine prochaine, parce que cette semaine, j'ai pas eu le temps vraiment. Mais sûrement la semaine prochaine. J'ai hâte d'essayer ça. Ça me fait du bien. En fait, moi, c'est pas vraiment pour perdre du poids, mais c'est plus pour l'alimentation, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Puis, j'adore les légumes, fait que tu sais, je me dis que ça sera pas vraiment une grosse privation. J'adore les légumes vraiment beaucoup, fait que ça va me faire du bien. Puis, c'est ça. J'espère que vous profitez du beau soleil. Là, moi, je m'en vais faire la vaisselle. Parce que moi, où j'habite, ben, vous avez vu un petit peu un peu sur Instagram. Il y a des arbres, puis à un moment donné, le soleil se cache là, puis il ressort de 2-3 heures. Là. Fait que. Pour le moment, ben, je vais faire mes petites choses en dedans, en maillot. Fait que c'est ça, on se reparle. J'avais le goût de vous parler du masque que j'utilise pour mes cheveux de Lanza, que je trouve chez ma coiffeuse. Je sais qu'on peut le retrouver, je crois, à Coiffeur à Rabais. Je sais pas si c'est quelque chose que vous aimeriez. Peut-être me le dire en barre de commentaires. J'aimerais vous. Tu sais, vous savez, je vous ai demandé quelle couleur était que vous aimiez pour le concours. Il va avoir lieu bientôt. Puis d'ailleurs, ce produit-là, je crois, il va se retrouver dedans le prix, le masque, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis pour vrai, ça laisse vraiment... Bon, là, je sais, mes cheveux font dur présentement parce qu'il y a le masque à l'intérieur. Mais... j'ai le goût de vous faire partager. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimeriez, mais peut-être des produits que j'aime beaucoup, beaucoup, que je parle peu souvent sur ma chaîne, comme des produits, pas juste maquillage, mais de tout style. Faire un. Je pense que je vais faire deux prix avec des produits que j'aime. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est rendu. 7h38 et on va manger des brochettes de poulet, puis j'ai lavé mes cheveux, comme vous pouvez voir, et après ça, je vais aller chercher Marie, fait que j'ai vraiment hâte de la voir, puis je sais pas si on va manger dehors parce qu'il fait quand même encore beau, on est encore bien, fait
Fait que c'est ça. Après ça, je vais aller plier du linge. Puis, c'est ça. On se reparle plus tard. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis à l'extérieur. Je profite du beau temps. Je vais vous montrer. Il fait vraiment bien. Donc là, j'ai mis une veste parce que j'ai pris mon bain. Richard est parti chercher Marie-Flore. Je les attends. C'est mon café que j'ai depuis tantôt qui doit être froid, mais en tout cas, pas grave. Puis, je profite du temps. Merci énormément pour vos beaux commentaires sur ma perte de poids. Merci. Puis, j'ai hâte, bientôt, là, d'avoir notre piscine. Je vais acheter ce qui manque demain, fait que j'ai vraiment hâte. Puis, devinez quoi? Notre parasol a rendu l'âme. Je pense qu'il y en a un autre qui venait avec la table. Donc, je vais pouvoir le mettre cette semaine. J'annonce encore beau demain. J'espère que vous allez en profiter. Et qu'on se reparle plus tard. Bonsoir. Les photos. Salut. Tu m'as mis ta casquette. T'as mis ta casquette? Tu dis-tu allô? Hey. Bonjour, madame. Madame est revenue. Elle est revenue de chez grand-papa. Puis grand-maman. Puis grand-maman. Ben oui, excuse-moi, j'ai oublié grand-maman. Puis Snoopy. Et photo. Maintenant, on fait une vidéo. Puis, c'est bientôt l'heure du dodo. Et photo. Tu veux prendre des photos? Oui. Pour vrai? Pour vrai. Ben là, on peut-tu? Si peux-tu. On peut-tu, peux-tu finir le vlog? Je mange. Tu veux que je mange du gâteau? Gâteau. Je pense pas agréer ça, ça. Je veux gâter. Tu veux montrer ton gâteau? Wow! Au chocolat! Es-tu capable de dire ça, toi? Au chocolat? Ouais. Ah, merci. As-tu pu utiliser tes gâtes? Quoi? As-tu pu utiliser tes gâtes? Merci. Fait que c'est ça. Je viens de rentrer de l'extérieur. Ça fait du bien. Le mari est arrivé. Ça va être bientôt l'heure du bain. Ah, tu montes tes céréales, ben là, regarde-toi un petit peu de Jade. T'as tout mangé. T'as tout mangé? Wow! Maman. Hey boy. Fait que c'est ça, j'espère que vous passez une belle soirée. Nous, on se retrouve demain. Hein, Marie? Demain? Et photo. Oui, je vais en prendre une photo après. On se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se dit à très bientôt. Bye bye tout le monde. Hey Marie! C'est juste bye bye. Nous, j'ai photo. Ok, ensemble. Bye bye. Viens ensemble. À demain. Nous, j'ai photo ensemble. Tu veux une photo ensemble? Oui. D'accord.